Hello, can you hear us? Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que je commence? You can start your keynote. Oui, vous pouvez commencer votre allocution. Good afternoon. Hello. Can you hear me? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Yes, we hear you fine. Can hear you fine. Great. Oui, so it's entend. A great pleasure being Alors with c'est you. C'est un Should véritable plaisir. Est-ce que je peux commencer ma présentation? Yes, you can go on. Oui, je vous en prie. Okay. Bien. So, once again, thank Une you fois very encore, much merci for the pour votre invitation. J'aimerais notamment remercier le professeur Moreno pour son invitation. Et par avance, j'aimerais vous présenter mes excuses. Si j'ai l'air un peu fatigué, il est plus de minuit ici. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous donner des informations sur nos résultats et notamment au niveau du rapport du GIEC. Comme vous le savez, le GIEC travaille sur des évaluations locales des conditions climatiques, mais plus récemment, depuis 2014, il y a également des rapports qui ont été émis sur les villes. Donc, j'aimerais vous faire part de ces résultats, de ces conclusions. Ce sera mon thème d'aujourd'hui, vous donner une vue d'ensemble des structures du GIEC ainsi que des groupes de travail et de leurs rapports qui se focalisent sur l'adaptation au changement climatique et ainsi que les messages sur l'atténuation des changements climatiques et également des informations sur les typologies urbaines, leur implication pour l'adaptation et la réduction des impacts. Comme vous le savez, le GIEC existe depuis 1997, mais le rapport d'évaluation le plus récent vient de paraître. Il y a différents groupes de travail. Le numéro un est basé sur les sciences physiques, les deux sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités, le groupe 3 sur l'atténuation des impacts des changements climatiques. Donc, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les groupes 2 et 3 et également sur les chapitres liés aux villes. Donc, pour commencer, par rapport à l'adaptation, je pense que vous connaissez bien déjà ce concept d'adaptation qui vise à réduire les vulnérabilités des communautés et des processus d'adaptation sur les impacts sur les systèmes naturels ainsi que sur les êtres humains. Et pour contraste, l'atténuation s'adresse au moteur du changement climatique avec l'intervention humaine permettant de réduire les sources ou d'améliorer l'action des puits carbone. Alors, pour commencer, les constatations principales du rapport d'adaptation, donc qui se focalise sur les villes et les zones urbaines. Alors là, le risque auxquels les gens sont confrontés, ainsi que les biens, ce sont en fait les dangers liés au changement climatique. Et tout ceci a augmenté. Et
également le nombre des personnes qui vivent dans ces zones sont fortement exposées aux impacts des changements climatiques. Donc il va y avoir un accroissement assez substantiel. 350 millions de personnes sont également en danger face à la diminution des ressources d'eau potable. Et 410,7 millions de personnes courent d'autres risques. Il y a également d'autres risques au niveau de la population mondiale. Il s'agit des zones côtières. Ici, vous avez des modèles projetés pour 2050 avec 1 milliard de personnes qui pourraient être confrontées à une augmentation du niveau des mers et à des inondations. Alors, par rapport à l'adaptation, on constate qu'il y a des fossés importants. La pandémie du Covid a également eu des forts impacts sur les zones urbaines et les zones rurales. Il y a beaucoup de villes, néanmoins, qui ont développé des plans d'adaptation en fonction des recommandations depuis 2015, mais il y a très peu de ces plans qui ont été mis en œuvre. Mais donc, le développement des projets se produit, mais la mise en place tarde à venir. Il y a également un besoin de synergies avancées. Il faudrait les identifier et pouvoir bénéficier, disons, de co-bénéficier de l'adaptation, de la réduction face aux risques climatiques. Également, les investissements en matière d'adaptation urbaine reste à améliorer. Les gouvernements locaux et municipaux sont vraiment au cœur de ces dispositifs d'adaptation. L'urbanisation mondiale permet des opportunités en temps limité de manière à pouvoir travailler à une adaptation qui soit vraiment transformative. Il y a donc un guide, des lignes directrices à suivre en matière d'adaptation. Nous faut également être conscients et prendre en compte le genre, les différents secteurs, être inclusif et également penser à être neutre en carbone. Certaines initiatives le soulignent, notamment l'accord de Paris, les différents objectifs de développement pour le millénaire, etc. Laissez-moi maintenant passer aux constatations principales du rapport de l'atténuation. Là encore, ce qui est souligné, c'est que la plupart des populations urbaines dans les pays développés vont constater une augmentation démographique et également en Afrique et dans l'Asie du Sud-Ouest. L'Asie du Sud-Est, pardonnez-moi. Comme ces villes vont certainement poursuivre leur mode de vie et qui ressemble au mode de vie occidentaux, alors il y aura une augmentation, et cela semble indéniable, une augmentation de l'émission, des émissions de gaz à effet de serre. À l'heure actuelle, les émissions portent à 70%. Il y aura donc une augmentation, surtout par rapport à la construction de nouvelles infrastructures et d'autres activités urbaines. Donc, il y a un besoin urgent d'intégrer les conclusions au niveau de l'atténuation de l'impact, des impacts des changements climatiques et plus notamment les villes ne pourront parvenir qu'à net zéro ou la décarbonisation
Et pour ce faire, il faut réduire la consommation, l'électrification à grande ampleur dans les villes également. La séquestration du carbone doit être améliorée et notamment, il faut revégétaliser. Il faut également de la planification spatiale intégrée de manière à pouvoir parvenir à une croissance urbaine qui soit efficiente. C'est là encore un sujet sur lequel on peut travailler. Également, les infrastructures urbaines bleues et vertes vont pouvoir contribuer à l'atténuation des impacts à travers la séquestration de carbone en permettant d'éviter certaines émissions et de parvenir également à un développement plus durable. Donc ici, vous avez un instantané des budgets carbone actuels. En haut, vous voyez le scénario à 1,5 degré Celsius supplémentaire. Mais on est à peu près 400 GT, alors que le scénario du bas est à 1150 GT. Donc cela veut dire que d'ici en 7 ans, nous allons consommer tout ce qui nous reste. Et donc, pour 2 degrés, donc il y aurait cette consommation qui se ferait en 24 ans. Mais là encore, pour les villes, il y a vraiment un manque d'opportunités à saisir. Ici, vous avez donc des données basées sur 700 villes où avec une population d'environ 750 000 personnes, avec 14 mégatonnes, et qu'on pense que d'ici à 2050, si l'on continue sur les tendances actuelles, on pourrait parvenir à 17,3 mégatonnes. Mais il y a également un potentiel que si nous agissons maintenant sur la réduction dans certains secteurs, notamment le transport, la construction, les matériaux et également la gestion des déchets, cela pourrait permettre de diminuer à 2,3 mégatonnes. Donc il y a vraiment une opportunité à saisir ici pour la réduction des émissions. Et là encore, et ça c'est vraiment important également à faire pour les pays développés parce que ce que nous avons constaté, c'est que entre 2000 et 2015, la plupart des villes dans les pays développés ont pu réduire leurs émissions, alors que dans les pays en développement, on voit un surcroît d'émissions. Donc là encore, on peut s'imaginer que ce sont des tendances qui vont augmenter dans les années à venir. Donc, quand on parle de scénarios, il y en a trois à dégager qu'on peut imaginer en fonction du type de ville dont on parle. En grande ligne, on parle de villes émergentes. Ce sont des villes qui ont des tendances de croissance modérées avec une certaine structure, développement des structures, des villes qui grandissent rapidement, quelle que soit la direction, soit verticalement, soit horizontalement, et les villes établies où nous n'attendons pas beaucoup de croissance verticale ou horizontale. Donc, par rapport aux options de réduction urbaine dans les villes émergentes, pour certaines villes, il est important de partager la ville pour éviter certaines zones non désirables. Donc, il faut vraiment pouvoir créer des zones urbaines dans lesquelles on peut marcher, qui sont co-distribuées et qui permettent une création de villes compactes. Il faut également préserver les actifs
bleu et vert préexistant. Pour les villes qui sont en croissance rapide, les options d'atténuation, de réduction seraient différentes. Par exemple, il faudrait pouvoir avoir un tissu urbain compact. Il faudrait passer rapidement ou faire une transition complète vers des technologies à basse émission. Il faudrait électrifier tous les services et également, là encore, préserver et gérer les espaces verts et bleus. Et pour les villes établies, parce que les infrastructures anciennes sont parfois peu efficientes, ils sont nécessaires, il faudrait procéder à un remplacement, il faudrait encourager également la transition modale en termes de transport, électrifier le système énergétique urbain et également densifier certaines zones urbaines. La bonne nouvelle ici, c'est que si nous mettons en œuvre ces mesures, ces actions, serait possible de coordonner certains équilibres. Ici, vous avez différentes teintes de bleu, différentes nuances de bleu qui sont basées sur les niveaux de preuves avec des rapports d'évaluation. Ici, vous voyez que le bleu de ce que nous pouvons faire se divise sur différents secteurs avec différents types de durabilité. Il y a également des opportunités à saisir pour l'adaptation, l'atténuation. Cela veut dire que si nous prenons des mesures qui améliorent l'adaptation, notamment si on améliore la marche dans les villes, vous pouvez avoir de meilleures capacités. Vous avez le potentiel de réduire la consommation énergétique. Alors, pour conclure, j'aimerais souligner qu'il nous faut des approches de conception urbaine qui soient intégrées. Il faut également des changements transformatifs dans les villes de manière à pouvoir mieux préparer les villes et il faut engager la gouvernance à différentes couches. Il faut également des approches sectorielles tout cela va impliquer donc les gouvernements, les autorités locales, différents acteurs non gouvernementaux et également tout ceci doit se faire en articulation avec les différents secteurs et il faut également une approche financière. Et avec ceci dit, j'aimerais vous remercier pour votre invitation. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On vous applaudit avec chaleur. Et on lance...